Le ministère de l'Éducation nationale, pour chaque année, a lancé un processus de recrutement, sélection, nouvelle cohorte, institutrice, instituteur, cadre thérapeute. Nous connaissons l'école normale instituteur, ils ont formé futurs enseignants dans le pays. Pour accompagner ma terre de directeur, direction formation perfectionnement, il y a même, Franck Louis Georges et Madame Dubois, qui sont liés pour tout dans la direction ça. Ils ont assuré la supervision 2200 candidats pour force ça à travers le territoire national. Et là, dans le centre Sahara, nous avons environ 300, c'est 291 pour être plus exact, candidates et candidats qui sont dans le processus de recrutement Sahara, donc qui ont fait examen officiel. Et même si nous faisons une deuxième année fondamentale, c'est normal pour que nous venions encourager l'équipe ministère qui travaille pour un examen Sahara possible, personnel administratif, pédagogique et au côté. Pour organiser, surveiller et puis mettre pour corriger les tests qui baillent. Et puis, nous avons le contact accueilli, nouvelle cohorte, institutrice, institutrice ça. Non seulement cap disponible pour le secteur public, mais pour le secteur privé. Donc, dans ce sens, ça, c'est l'occasion, une fois de plus, pour que nous attirions l'attention du pays à son importance, formation initiale, formation continue enseignant. Si on a un plus gros défi que nous avons dans le pays, il y a suffisamment d'enseignants qualifiés à travers le territoire national qui répondent à conférer à différentiel compétence sans enseignants supposés gagner, toujours en termes de compétences et de la pensée, compétences professionnelles pour être capable de conduire encore dans sa de place, et compétences éthiques et morales tout, parce qu'on enseignant, qui enseigne d'abord avant d'enseigner matériel, enseigner bon que lui. Année ça, nos conditions difficiles, le ministère réussit quand même à mobiliser l'équipe, son vraie presse logistique, son vraie prouesse logistique, capable d'organiser 930 centres, que 200 000 personnes qui ont été manifestées. Et nous avons un examen, nous avons enseignant à travers l'École nationale instituteur, examen centre éducation familiale. En pile fois, nous mettons attention seulement sur l'examen officiel 9e année fondamentale. Le ministère organise l'examen pour tout ça qui est pour tout, avec format et l'école formelle, l'école non formelle et puis l'autre d'enseignants. Bon, nous-mêmes nous souhaitons que nous ayons 100% réussite. Ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser tout enseignant qui est là, disponible pour le système. Dans le contexte que le ministère là, a renforcé. Santa Cabrille, développement professionnel dans le métier, notamment à travers certification, tout le monde qui en pile fois sous formation, mais formation ça n'est pas certifié, il n'y a pas de diplôme pour ça. Je vous dis, on est très content, certifié compétences, remettre un diplôme, qui va avoir droit à un permis provisoire pour enseigner. Donc c'est pour ça qu'on a géré une gouvernance. C'est environ 2200 qui ont composé à travers le pays. Le centre a accueilli environ 291. Et si vous songez bien, note que le directeur et Franck Louis Georges sont dans moi, c'est environ 900 qui ont composé dans l'Ouest. Bon, en général, sont tendance à travers le monde. Première année l'école, que c'est préscolaire, que c'est le premier cycle de l'école primaire, pas comme si c'est une réalité sociologique de tous côtés, c'est le prolongement de la famille. Et c'est mesdames, plus souvent, ouais, comme jardinier d'enfants, c'est pas souvent qu'on entend parler de jardinier d'enfants, c'est monitrice dans le préscolaire, première institutrice dans l'école de base, en général, c'est réalité, ça, c'est femme. Nous-mêmes, c'est très clair que nous promouvons non seulement mixité, mais équité de genre. Nous voulons accueillir autant de garçons que de femmes dans ce système-là, mais nous pas déçus tout. Ni dans le préscolaire, ni dans l'école de base, que mesdames, en majorité.